Hello, je vous fais un petit call vite fait parce que j'avais commandé des livres, un ou deux livres que je voulais finir et du coup, je les ai reçus aujourd'hui donc je vais vous les présenter. Donc, comme vous pouvez voir, il est grand. Alors, donc j'avais commandé, en plus ils ont même pas enlevé l'étiquette. Biographie. Alors j'avais, il y a longtemps, j'avais acheté un livre de Pascal Obispo que j'avais prêté. Et que les personnes à qui je l'ai prêté l'ont perdu. Voilà. Donc j'ai été obligée de le recommander. Donc j'ai... je l'ai recommandé. Il n'est pas comme le premier, tu vois, qu'il est plus, ouais, il a l'air moins... Par contre, je ne le reprêterai pas, ça c'est sûr certain. Je ne le reprêterai pas, parce que si je le prête et qu'on le perd, ben voilà. Là, ça c'est sa première femme. Et je ne l'avais jamais lu en fait, le livre. Je l'ai prêté et je ne l'ai jamais lu. Et donc il est comme ceci, ça s'appelle « L'envie d'être aimé ». Voilà, c'était le dernier qui restait, j'ai eu de la chance, je l'ai commandé. Donc voilà, je l'avais déjà avant, il y a un moment, et je l'avais prêté. Et on me l'a perdu, donc du coup, j'ai été obligée de racheter. Et je ne l'avais jamais lu. Donc voilà, donc j'en ai lu pas mal déjà. Et donc, déjà pour le premier. Ensuite... J'avais commandé deux autres livres, deux BD, parce que j'ai lu comme des Hercule Poirot. Et en fait, les livres normaux, j'ai pas trop plus apprécié que ça. Et là, j'avais recommandé en BD parce que j'ai lu en deux formats. J'ai lu en format poche et en format BD. Et j'ai préféré le format BD d'Hercule Poirot. Donc voilà. Donc, du coup, j'ai recommandé deux formats BD. J'avais commandé ABC contre Poirot en format BD et j'avais commandé aussi Rendez-vous avec la mort en BD. Voilà. Moi j'ai déjà lu Le Crime de l'Orient Express en BD et Drame en trois actes en BD aussi. Donc, mais j'avais beaucoup apprécié. Donc voilà. Donc je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt pour de prochaines lectures. Bye bye.